Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Sadio Mané au Barça. Mais avant de parler de Sadio Mané qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée de Mané au Barça. Dans la volonté de se renforcer pour 2022, le Barça mais aussi le Real Madrid se sont vus proposer les services d'une star de Première Ligue. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, où il a été élu joueur du tournoi, Sadio Mané n'en finit plus d'agiter la planète football ces derniers jours. En plein bonheur après le sacre de son pays, l'attaquant de Liverpool pourrait également être un invité surprise lors du prochain mercato estival. Sous contrat avec les Reds jusqu'en 2023, l'ancien Messin n'a toujours pas prolongé son aventure avec l'actuel deuxième de Première Ligue et songerait à un départ vers l'étranger, plus précisément vers le Barça. Si beaucoup de clubs supervisent la situation du Sénégalais, deux clubs semblent mener les devants dans le dossier, le FC Barcelone et le Real Madrid. Si les écuries rivales n'ont pour le moment fait aucune offre pour Mané, cela pourrait se décanter cette saison pour une raison très simple. D'après Gual Espana, le joueur de 29 ans serait prêt à quitter Liverpool cet été si le Barça ou le Real venait à toquer à sa porte. L'ancien joueur de Southampton rêve depuis quelques années d'évoluer dans le championnat espagnol. L'arrivée de Mané au Barça ne date pas d'hier. Observé depuis quelques années par la direction barcelonaise, Sadio Mané avait fait l'objet d'une demande spéciale de Lionel Messi à ses dirigeants. Comme le rapporte la SER Catalogna, le septuple Ballon d'Or Messi avait imposé comme condition à ses pairs la signature de Sadio Mané au Barça pour qu'il prolonge l'été dernier. Les Blaugrana avaient alors tout fait pour enrôler la pépite des Reds, mais avaient buté sur Klopp intransigeant. Le joueur du PSG, Léo Messi, avait d'ailleurs fait part il y a quelques années de son admiration pour Sadio Mané. J'ai choisi Mané parce que c'est un joueur que j'aime. Il a fait une belle année et il a été très important pour tout le succès de Liverpool, avait déclaré Messi lors du trophée FIFA The Best en 2019. Voici encore pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Sadio Mané au Barça est vraiment une bonne idée? En tout cas les mecs, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, j'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.